Agnès, tu me prends pour qui? Bien sûr, mon micro est coupé. Agnès, je voulais te dire, je te trouve parfaite de mon point de vue. Mais ça doit surtout pas te gêner. Hein? Caresse-moi. Quoi? Faut que tu me caresses, là. Ah, ok. Je te fais pas trop mal? Non, un petit peu peur. Oh, pardon. Tu l'as bien mise? Agnès, bien sûr que je l'ai bien mise. C'est pour la première fois quand même. Quoi? Et toi? Ça va aller? Internet, oui, je connais. Oui, YouTube, il y a plein de vidéos de trapèzes là-dessus. Pavel, tous les soirs, je regarde. C'est la vraie vie. Je rêve de ce moment depuis toujours, suis-moi. Pavel, comme avec Damien, c'est parti. Ok. Allez. Au prochain, je me mets debout. Ok. Au prochain. D'accord. Hop. Ok, Pavel, j'arrive. D'accord. Hé, Pavel. Quoi? J'ai vu ta mère dans le public. Ma mère? Où ça? Mais là, au troisième rang, avec le t-shirt rouge. Non, non, ma mère est beaucoup plus jeune que ça. Ah, mais tant mieux. Pourquoi tant mieux? Ben parce que quand elle va mourir, tu vas te retrouver tout seul. Ben quand on meurt, Agnès, on se retrouve toujours seul. Ouais, mais on a des enfants. On a beaucoup moins envie de mourir, j'y vais. Faut que tu me l'enlèves. Elle est où? À ma gauche. À ma gauche. Avec élégance, Pavel. Oui. Oh, tu te débrouilles pas si mal. Mais tu sais, hein, j'improvise que pour toi. J'en doute pas du tout. Tu sais, Alice, tu m'en fais vite des choses tout là-haut. Ok, mais par contre, oui, je me mets debout pour chercher ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est bientôt fini, on enchaîne. Ben, c'est vraiment dommage, hein? Thank you.
Thank you.